Hey, salut à tous, c'est Galax et bien aujourd'hui sur NBA 2K23 qui sort officiellement demain le 9 septembre. Nous sommes sur PS5, ça sort sur un peu tous les supports, sur PC, Xbox Series, à l'ancienne PS4 et Xbox One, mais aussi sur Nintendo Switch. On va découvrir ensemble le mode Ma Carrière et on testera également le Jordan Challenge qui propose de revivre les meilleurs moments de la carrière du légendaire Michael Jordan, bien sûr. Allez, Ma Carrière, on débute par ça, on l'avait découverte également l'année passée hein, sur le 2K22. Alors pour info, j'ai déjà créer un petit peu mon perso, hein, je lui ai mis sa tête, j'ai mis le prénom, le nom de famille bien sûr qui est Galax, vous le savez, hein. C'est mon vrai nom, non c'est faux. Alors le poste, je vais choisir ailier, ça ira très bien, la main de préférence, la droite, numéro de maillot, je vais mettre le 42, évidemment, mon numéro de pseudo, et on est parti. Alors taille 2m01, ouais, alors ma taille moi c'est 1m89, mais bon on peut pas descendre aussi bas, le poids, on va mettre au moins le quintal tout de même, on se respecte, voilà, c'est du lourd. Envergure de 1m03, ouais, on peut augmenter. Mais attention parce que ça influe évidemment sur les attributs, finition, tir, etc. Morphologie musclée, costaud, robuste. Compact. Je vais mettre robuste. On continue, et là maintenant, on a le potentiel max. Ok, donc jusqu'à 99 hein, de gêne. Bon, écoutez, on va rester comme ça, mais c'est vrai qu'il y a moyen sûrement d'avoir un truc un peu mieux préparé, disons. Mais là, vu que c'est une découverte, on va aller un peu à l'essentiel. Takeover, donc là on a le choix. Takeover principal, je vais prendre finition. Et le secondaire, je vais prendre le tir de précision. Ça ira très bien. Allez, on y va. Parce que j'aimerais bien découvrir également le mode les défis de Michael Jordan. Donc on va essayer de ne pas trop traîner sur la création du perso. Ok, similaire à ses joueurs. Très très bien. Scoreur triple niveau. Tester, choisir une équipe, modifier. Et bon, je choisis directement une équipe. Allons-y. Envoie la sauce. Donc, je vais choisir, on a le choix bien sûr, hein. Les Lakers, ok. Les Miami Heat, les Nuggets, les Rockets. Bon, écoutez, on va partir dans... On va partir chez les Lakers, pourquoi pas. C'est parti. Direction LA, Los Angeles. Oui, j'avoue, c'est aussi pour le tourisme. Oh... Visual Concept présente Ma Carrière. Alors on va voir si ça a changé un petit peu parce que c'est vrai que l'an passé c'était déjà très bien. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert, hein, je n'ai pas beaucoup joué au jeu. J'y jouais beaucoup plus avant. Je me souviens, je jouais à NBA 2K sur Dreamcast pour ceux qui veulent savoir. Après je suis passé sur NBA Live à l'époque de la PS2. Et maintenant j'y joue genre une fois par an. Soir de la draft. With the 18th pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select MP. Pas très accueillant. MP and Shep Owens face off later today in the Summer League Championship, a typically low-key affair, has a little extra juice this year thanks to a budding rivalry between the mid-first round picks that started on draft night. MP. Oh! What? Oh, MP's a terrible pick. I want the entire front office fired! Come on, they should not. How y'all pass on Shep Owens, fam? Is you stupid? Oh, no! Look, I'm a fan of the city, first and foremost. Yeah. And if MP is our guy, I want him to succeed. Can I get me? Thank you. This is the year! MP is a champion, baby! Let's go! All right, Shep, a lot of excitement here, but let me ask you, what do you make the fans booing MP when they drafted him instead of you? I'm flattered, Nate, but I ain't surprised. I'd boo anyone who passed on me too, especially for MP. Yo, tell him. I mean, dude got rec league athleticism. Oh, rec league, you hear that? Now, how can you say that when he's been a winner everywhere he's gone, Shep? Yeah, so far. But at the NBA level, my talent's generational. Let him know, let him know. My style's impeccable. Impeccable, perfect. There's no one else like me. Nobody. 101. They're gonna regret drafting him over me. Watch. Facts. I can quote that? Absolutely. Quote him. Quote that. The man said quote him. Quote him. Why are you still here? Come on. Quote him. Let's go.
Woo! Shep the yes, show! Sir. Showtime! You already know! Wow. All right, Kendrick. JJ, was drafting MP over Shep Owens the right move, or were fans right to boo MP on draft night? What? Of course they were right. If I'm from the city, I'm booing MP, I'm booing ownership, and I'm booing myself for sticking with this terrible franchise. Booing himself. Yeah, I might boo you too, Stan. Okay. Look, city fans know ball, and they know that Shep Owens, this guy's the truth. I know you've had a lot of coffee this morning, Perk, but you've got no right to disparage MP like that. This kid's a collegiate champion, a tireless worker, and everyone raves about his leadership skills. Yes, Shep's a better athlete, but he hasn't won anything. That matters. You know what really matters, JJ? Is your boy MP is ancient. I'm sorry, what? Did you say ancient or anxious? Ancient. Like an dead bird, tall grass, ancient. Okay? We know exactly what he's going to be. A rotation player at best. Shep Owens has all NBA upside. This is a huge mistake, JJ. A rotation player? A rotation player. You don't know what you're talking about, Perk. And if it was such a huge mistake, why did 18 teams pass on Shep? You know what, JJ? That's a great question. That's a good question. And I don't have an idea. Well, I'll tell you why. Not only is he extremely raw, he's got serious character issues. You've seen his reality show. I love it. It's okay. It's a good show. This guy thinks practice is optional and LeBron James is beneath him. How do you coach a guy like that? Listen, he's young. Let's not overreact. He'll learn and he'll grow. You might be right, but nobody knows what either of these guys will be 5 years from now. So we need to calm down and let things play out. Look, JJ. Hey, at least JJ is on your side, babe. Could jump out the gym. Honestly, there's gonna be way worse than that. Yo. How my two favorite lovebirds doing? We're okay. Y'all check out that Top Takes Daily segment. All right, look, man. Come on. I mean, it's no surprises, right? No surprise. Like, we knew once those clowns booed you on draft night that they were going to try and make a story out of this. I mean, it's mostly fun to me at this point. Mostly. I mean, yeah, I don't want to be booed by fans, but, like, life is good right now. Like, I got a beautiful, brilliant, talented girlfriend who doubles as my business manager and up-and-coming agent. I'm established. Running a boutique agency whose sole purpose is to make the most out of my NBA career? Come on. Yo, where's Ashley, by the way? Like, we should be talking some PR on we this. We should. Yeah, no, she had to take her dog to the vet. But, I mean, just a routine checkup, all right? So she'll be in later. Good. All right. But, yeah, man, you know, like I was saying, you know, like, I'm just going through some adversity right now. And that's it. You know, like, this is just another challenge for me to learn and grow from. Exactly. Man, that is exactly the mindset you need to be having, MP. That's what I'm talking about. Like, right now, you looking like a Mr. Rogers with high tops. Okay. I mean, but you know what a mean streak. Fam, that's not what I'm going for right now. Hey, Mr. Rogers is a babe. Come on, back me up. Babe, you serious right now? Good guy, gray sweaters. You don't like sweaters? They're all right. I'm you look good sweaters. Okay. We can get back to whatever this is later, okay? Okay. Great. Look, I really don't mind if you watch your own press, MP. But afterwards, you gotta flush it, all right? Mm-hmm. That's right. Summer League Championship game is coming up. It is time to focus. No doubt. No doubt. All right. Come on, let's get it. Okay, all right. So if you want to get out into the city, shoot some hoops, I'll leave you to it. But the second you're ready to focus on that chip, come holla at me. Come on. That's right. Got you. All right, see you, Ricky. I'll see you later, man. All right, man. Babe, you good? Yeah, I'm good. Good. It's all good. I'll check you later, okay? All right, I'll see you. J'aimerais bien jouer. Alors, One City Plaza, bienvenue dans votre bureau. C'est ici que vous retrouverez votre agent Ricky Bennett, votre attaché de presse Ashley Saint-Germain et votre manager petit ami Mila Garver, pour qu'il vous aide à gérer au mieux la vie de star de NBA. On se calme, hein, on débute. Hein. Votre bureau, votre cercle proche. Ok. Et le jeu a l'air plutôt joli en tout cas. Hein. Par contre, j'ai l'impression que c'est en 30 FPS. Ça, par contre, c'est moins bien. Alors, allez voir Ricky. Lorsque vous serez prêt à partir à Las Vegas pour le match. D'accord, je vais faire un petit tour là-bas. Est-ce que je peux courir? Navigation, carte, quête. Alors attends, comment ça marche? Oh, sympa! D'accord. Repère de quête, il y en a un peu de partout par contre. Hein. Kobe, apparemment, il y a un truc avec Kobe Bryant. Métro, ok, garage où? Il y a plein de trucs. L'intérieur est plutôt joli. Hein. Alors, je suis pas encore allé dans les options, donc ça se trouve, je suis en mode fidélité, en mode qualité, et c'est pour ça que le jeu est en 30 FPS.
Hey, you ready to head to the arena? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Always, man. Then you all ready to go. Mila packed you a bag, and I just emailed over your itinerary. Appreciate y'all, bro. Anytime, man. You know, I wish I could go with you, but the MP train don't drive itself. Come on now, man. Hey, another day, another dollar, right? You already know. But I'll see you back here after you take care of Shep. Yes, sir. Looking forward to it. Have a good one, man. Yeah. So that's what we're gonna do. Make sure these guys regret not dropping the truth. Shep Owens. Hey, you crushing it, bro. So good, yeah, Shep. The best. Good. Let's run it back. More energy, man. Yeah, yeah, that's what I was gonna say. MP. What's good, fam? Not much, man. How are you? Hey, it's all Gucci, fam. Just filming a quick shot about the game. Playing up the whole rivalry angle, you know? How your fans don't like you and all that. They don't. Y'all real funny, you know that? That sounds good, man. I'ma see you out there. Whoa. Sounds good, I'ma see you out there. Man, I'm trying to make that fire content, son. Give me something I can use. Eh, mais c'est génial, en fait, ce mode scénario. Moi, je pensais pas que ce serait comme ça. Ma carrière, Shep fait tout pour vous provoquer la manière dont vous réagissez de manière impétueuse comme un précurseur ou de façon plus diplomate comme un général, représente notre premier choix de leadership. Les choix de leadership joueront un grand rôle dans votre carrière et vous aideront à débloquer des compétences de leadership. Les compétences de leadership sont associées à des conditions telles que marquer 10 points dans le premier carton ou réussir 5 passes D sans perdre de balles. Si vous remplissez ces conditions, vous activerez les compétences et gagnerez de gros bonus d'attributs. D'accord. Donc bleu et rouge. Il existe une multitude de compétences de leadership. Les compétences de général vous permettent de motiver vos coéquipiers. Les compétences de précurseur vous permettront de montrer l'exemple à suivre. Débloquer une nouvelle compétence de leadership en gagnant des points de compétences. Pour gagner des points de compétences, sélectionnez des réactions de général ou de précurseur lors des conversations et activez les compétences de leadership pendant les matchs. Nous avons débloqué et équipé votre première compétence de leadership pour vous passer à l'écran. D'accord. Voyons voir. Alors, base solide, joue simple, condition marquer 5 paniers, ou alors, obtenez une note de coéquipier de B ou supérieur. Bonus, vous octroie un peu des bonus en agilité et organisation, et un bonus plus important à vos coéquipiers. À vous et vos coéquipiers, un petit bonus en tir intérieur, je vais plutôt choisir ça. Hein. Ouais, marquer 5 paniers, le précurseur. Yo, just off rip, I'm not a knot. So I'm not gonna help you make no fire content, bro. And that's why your fans don't like you. No personality, and you take yourself too seriously. Yeah, why so serious, bro? It's more like I don't take you serious. At all. In fact, you a joke me, my man. Wow! Now that's what I'm talking about. Didn't know you had that in you, my boy. Maybe you'll win a few fans now. Sounds good, man. Hey, you have a good game, champ. Oh! And don't hurt yourself filming that fire content, my man. Whatever, man. Chump. Move. You got him heated. Yeah, I don't understand. I'm worried about him. Lock on him. 3.1. Lock the deep shot. Twist to zone. We're in the man match. Okay? All right, I'll catch you later. Forget about him. Already done. Focus on the things you can control tonight. From a team perspective, it's obvious. Play well. Secure your spot in the rotation. Hey. We want you here. We drafted you for a reason. Mm-hmm. Not him. Yes, there's noise. We hear it too. Good news is, you can control how loud or quiet it is based on how you handle Shep tonight. I hear half the crowd chain his name, coach. That's all the fuel I need. It's a big game. Ooh, I played a big game before. That's right. Now go get it. I got you. C'est génial. Eh, il n'y avait pas ça dans le 2K22, je me souviens pas. Finale de la Summer League. A ou supérieur, 6ème homme. Ok, B+ ou supérieur, remplaçant principal. Très bien. Eh bien, écoutez, essayons d'être performants, du coup. Hi, everyone. We're here in sunny Las Vegas as we get set for the NBA Summer League Championship. I'm Brian Anderson, joined by Richard Jefferson and Grant Hill. Grant, what a terrific 10 days of basketball we have seen so far. Yeah, NBA, the best is yet to come. We've got the best two teams. On est bel et bien sur NextGen. Alors, activation d'une compétence de leadership.
Les compétences de leadership sont associées à des conditions qu'il faut remplir dans le jeu afin d'activer les bonus d'attributs temporaires pour vous et vos coéquipiers. Donc il fallait que je marque 5 paniers, il me semble. Les compétences de leadership avancées octroient des bonus plus importants, mais les conditions sont plus difficiles à remplir. Le jeu vous informera régulièrement de la progression de vos compétences de leadership, mais vous pouvez mettre la partie en pause à tout moment pour voir où vous en êtes. En activant une compétence de leadership, vous gagnez des... D'accord. Allez, entre deux, c'est parti. C'est pas moi. Hein. Allez, en avant toutes. Tu m'as vu. La passe maintenant, peut-être pour Galax. Ok, c'est pour moi, premier ballon. Allez, tranquille, tranquille. Hein. J'aimerais bien tenter un petit 3 points. Je vais essayer d'accélérer. Tu m'as vu, mon gars. Tentative. Dommage. J'ai tenté, c'est mal joué. Effectivement, c'est un peu bizarre, on est en 30 FPS. Mais le jeu est tellement joli, par contre. Ah, j'avoue que ça envoie. Hein. Magnifique. Il y a sûrement moyen d'avoir un mode performance, hein, c'est pas impossible. Mettez la pression, les gars. Aïe, aïe, aïe. C'est moi. Rupture défensive. Ouais, j'avoue, commence pas forcément très très bien. Allez, ça passe sur moi tout de suite. On envoie la sauce. Ok, tu m'as vu, on tente le 3 points. Tentative. Oui, magnifique. Le 3 points pour le français. Alors attends, est-ce que je suis vraiment français d'ailleurs? Je pense pas, hein, parce qu'on sélectionne pas notre pays. C'est l'habitude. Ok, je cours en tous les sens, 3 points, attention pour les Bulls. Et ça ne rentre pas, le compte maintenant. Allez Galax maintenant qui va accélérer. Tout seul comme un grand, il va aller jusqu'au bout de talent du français. Eh oui monsieur, marqué 5 paniers. Ah ben d'accord, tu dis 5 paniers, en fait c'est 5 points. Parce qu'avant j'ai marqué un 3 points et là un 2 points avec le dunk. Eh ben je suis content, voilà. Voyez tout seul, forcément facile. Pour mon adversaire. Pour effectivement mon ennemi juré, ça commence bien. Tu m'as vu. Ok, la passe au-dessus, bien joué. Alors on appuie sur X apparemment pour que l'autre te fasse une passe. Je tente, ça rentre pas, dommage. Je me précipite un peu trop. Alors je suppose que carré c'est toujours pour contrer, pour tenter de chipper la balle. Oh non, là par contre la défense, c'est pas au point les gars. Sauter, gêné, parfait. Tu m'as vu. Ok, va l'avant maintenant. Allez, on joue collectif. Ça joue très bien. Je vais vers la gauche, le dunk maintenant. Et oui, c'est magnifique. Ah non, progression 3 sur 5, donc c'est pas encore bon. Hein. Donc c'est bien 5 paniers. C'est pas en point. Hein. J'ai tenté, mauvaise interception, ouais je sais. Ouais écoutez, moi j'y connais rien, donc je m'amuse, hein. Je m'éclate, je fais un peu comme je veux. Ok, c'est bien. Alors pour info, on est en rookie, hein. C'est pour ça peut-être que c'est pas trop compliqué. Attends, si je tente effectivement, vas-y la petite passe. Ok, bien vite, tenter le 3 points, compliqué. Ça navigue. Allez maintenant. La petite feinte. Oh non, il a perdu le ballon. C'est un peu le bordel. Hein. Ah, c'est récupéré par les Bulls. Attention, ça repart de l'autre côté. Owens. Owens qui est bloqué par Galax. Récupère ce ballon. Et ça rentre pas parfait, mais c'est récupéré tout de même. Et ça fait panier, attention, 7-6. Les Bulls qui sont proches. Quelle ambiance, les amis, quelle ambiance. NBA 2K, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein. Ça reste l'une des valeurs sûres dans le monde du sport. Ok. Tu m'as vu. Ah, j'aurais pu y aller, dommage. Tente 3 points, gros. Allez, 3 points. Aïe, aïe, aïe. C'était compliqué. Comment on fait pour faire quelques petits gris-gris? Il semblait que c'était le stick droit, hein, si j'ai pas de conneries. Ça pourrait être sympa de s'amuser un petit peu. Alors il n'y a pas de tuto, hein, tu vois, au début du mode carrière, c'est vraiment on te lance dans le bain direct. Heureusement que je suis dans une difficulté. Oh bien joué, attention les 3 points, les Bulls qui prennent l'avantage. Allez, 9-7, il y a moyen encore de revenir, évidemment, hein, c'est que le début. Ok, tu m'as vu l'accélération maintenant de Galax, qui va tout seul. Et oui, ça rentre. Et en plus, le lancer franc. Allez, il me reste un panier à rentrer. Est-ce que les lancers francs sont comptés? On verra. Ah, quoique non, il n'y a pas le lancer. Allez, rotation, on va voir un petit peu. Ah, il y a Pippen Junior? Ah ouais. Alors moi, je suis plus l'actualité. Hein. Alors si, il y a bien le lancer franc, tu me rassures. Qu'est-ce qu'il est musclé? Alors, comment ça marche? Il y a une jauge? J'en sais rien. Ah oui, il y a une jauge. C'est validé, bien joué. 10 à 9 grâce au lancer franc, les Lakers. Los Angeles qui repasse devant. Mais le match est très serré. Attention, le 2 points qui ne rentre pas, mais c'est récupéré. Sautez les enfants. Oui, on repart maintenant. C'est parti, Galax en contre. Et pourquoi le numéro 20? J'avais pris le numéro 42. C'est pas normal? Allez, ça tourne, ça tourne. J'essaie de me libérer un petit peu. Ah d'accord, il y a moyen de faire des strats peut-être.
Ok. Tente 3 points, non? Ok, moi je tente. Allez, ça rentre pas. Dommage. En plus, t'as un 2 points parce que j'étais même pas au-delà de la ligne. Hein. C'est un peu bête. Essaye de le bloquer. Au moins, gêne-le, hein, pour pas paraître ridicule. J'adore ce jeu, tu vois. J'y connais rien. Je fais nawak, mais j'adore. Ok, ça rentre pas. C'est reparti. Le contre. Los Angeles qui se relance. Avec un Galaxy qui tente quelques petits mouvements. Bah, il faut dire après qu'on a un joueur. Oh, c'est bien joué. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont perdu le ballon. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un joueur, tu vois, qui est de base, là, qui est pas vraiment très amélioré. J'ai sauté comme un con. Sautez, les gars, sautez. Mais je suis où? Attendez, j'aime pas où je suis. Ça rentre pas, heureusement qu'ils sont manchots, hein. Allez, le compte maintenant du français. Hé, hey, choucroute. Vous allez continuer, choucroute. Bah alors. Allez, repasse vers choucroute. Maintenant, vers moi. Tu m'as vu. Ok, tentative, maintenant. Dommage. Ça rentre jamais, je tente des choses. Oh oui! Magnifique interception! Allez mon petit! Le dunk! Le layup! Et 5 sur 5! Mais c'est incroyable! Marc Galax! Mon adversaire là-bas, on dirait Pogba. Il tire une tronche, je pense qu'il est pas content. Hein. Regardez ce shoot, dernière seconde! Le layup qui rentre! Magnifique. C'est quoi ce bug audio par contre, hein? On n'en tiendra pas compte évidemment. NBA X2K. Et donc on entame maintenant le second carton du match. Simulé jusqu'à votre entrée, ah d'accord. Deuxième carton, 5 minutes par carton apparemment. L'équipe mène 12 à 9 pour l'instant. Et en tout cas, j'ai déjà réussi les amis. Mon objectif 25-24, les Lakers qui mènent toujours d'un petit point d'avance. Et là, on va faire notre rentrée. Le jeu est très, très, très agréable. Il n'y a pas à dire. Oui, bon, tout ce coup la tête, on a compris. Hein. Le lancer franc. Allez, vous revenir, hein, sûrement. Ça veut dire quoi, le bonus qui est en dessous de Chicago, là, en bas à droite? Allez. Pourquoi j'ai un vélo à côté de mon joueur? Moi, je découvre, les gars. Hein. Pourquoi j'ai un vélo? Ah, l'appel de balle, c'est triangle, c'est pas X. Ah, bah d'accord, mais j'apprends des trucs. Incroyable. Ok, tu m'as vu. Allez, on fait tourner un petit peu le ballon. Ok, tu m'as vu profondeur. Oui, tente le coup. Oh, magnifique, le 3 points. C'est bien joué, mon gars. 28-25. Bon mouvement du ballon, ouais, je sais. En tout cas, j'ai fait une jolie interception tout à l'heure. Là, par contre, j'ai fait une faute. Sorry. C'était pas voulu. Un peu trop agressif. Et ça fait un lancer franc. Aïe, aïe, aïe. On les laisse revenir. Et ça rentre. 28-26. Ah ouais, les visages sont vachement bien faits. Hein. C'est vraiment, vraiment très très joli. Je sais pas s'il y a une réelle évolution par rapport à l'an passé, hein, pour être franc. Mais là, ah ouais, c'est d'année que gêne. Hein. Putain, si on pouvait avoir les mêmes graphismes sur d'autres jeux de sport, ce serait incroyable. Allez, on y va. Et oui, ça rentre. Point sur passe D, tir réussi. Et augmentation des fans apparemment. Super. Pour l'instant, on est toujours en note C. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien augmenter, passer des gens en B serait cool. Allez, on essaie de les marquer. Attention, on saute. Ça rentre pas, très bien. Les gars, empêchez-le de marquer. Putain, il est grand lui, hein. Wow. Et ça rentre. Bien joué. Et toujours un point d'écart entre les deux équipes. Hein. Je suis à combien? Je suis à 14 points. Et 14 points tout de même, hein, les gars. Hein. Joli, ça. Ok. Vas-y, on tente quelque chose. La petite passe en hauteur, comme ça. Ok. Tac, tac. Essaye de tourner. Let's go, maintenant, bourrine. Ouais, c'est compliqué, hein. Attends. Bourrine pas trop non plus. Sur le côté, tu m'as vu? Sur le côté? Oui, je tente. Il rentre celui-là. Oui! Et le 2 points. Dommage que c'est pas un 3 points. Ça aurait été cool. Et ça fait du C+. Ah bah oui, avant le B, c'est C+. Hein. Forcément, je pense que là, on fait un premier match incroyable. Alors, il me semble que j'ai mis en rookie, hein, parce que le jeu, à la base, a demandé quel était mon niveau, tu vois, de connaissance du basket, de NBA 2K. Et je lui ai répondu, bah, 0. Bon, mec! Bouge! 5 secondes. Ah ouais, après, il n'y a plus le temps, on va être obligé de tirer. Pas le choix. Et donc, ça rentre pas fort heureusement. Allez, on récupère. C'est reparti, maintenant. Elle revient pas, parce qu'après, ça fait retour en zone. C'est bien joué. L'accélération maintenant du français qui bourrine un petit peu. C'est compliqué. Et ça rentre tout de même. Très, très fort. Ouais, la défense, elle est un peu à l'ouest.
On est toujours dans le second quart-temps. C'est vrai que les matchs sont assez longs, mais j'avais réduit, il me semble, la durée des quart-temps. Je ne sais pas si ça compte dans le mode carrière, mais en tout cas dans le mode normal. Oh, mais ça va, c'est rien. Oh, j'aime bien toucher. Allez, lancez franc pour Johnny Juzang. On a quelques points d'avance. Et la rentrée de mon pire ennemi juré. Allez, 3 points d'avance toujours pour LA. Ah non, l'appel de balle, ça marche aussi avec X. C'est peut-être que le triangle ou le Y si vous êtes sur Xbox est un appel de balle en profondeur, et peut-être que le X est un appel de balle normal, quoi, tu vois. Il prend le shoot. Et oui, c'est bien joué. Bon mouvement. J'ai marqué 18 points depuis le début. Sur les 36, j'en ai marqué 18. Bah, la moitié. Ça touche l'arceau. Allez, c'est la mi-temps. Avantage de 4 points pour les Lakers. 18 points pour le MP. Note de copier bien plus ou supérieur. Bah, pour l'instant, j'ai rien. Ok. C'est plus ou supérieur. Progression. À ce niveau-là, on n'a pas monté. 36 points, donc j'ai marqué plus de points que mon adversaire. Ça, c'est bien. 11 rebonds, j'en ai pris beaucoup plus. Non, franchement, je pense qu'on fait un bon match. Hein. Et c'est quoi ce vélo? Ça me perturbe. Allez. Alors, je sais pas si on aura le temps de tester. Ok, ça sort. Je sais pas si on aura le temps de tester, les amis, le mode Michael Jordan. À la limite, on fera une deuxième vidéo demain, si ça vous dit. Vous me dites, hein, si ça vous intéresse. Ok, on repasse un peu là-bas. Ok, je tente des choses. C'est parti. Hop là, je me retourne. Je sais pas comment faire, c'est quand même terrible. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Et tu rends le ballon à Owens en plus. Non, pas lui, arrêtez-le. Oh non, allez. À tout le monde, mais pas à lui. Déconnez pas les mecs. On y va. Allez, quand faut y aller les gars. Je rentre à l'intérieur de la raquette. Tu m'as vu? Hop, tentative de 3 points. Oui, il est magnifique. Je suis bien allé en haut, tu vois, de la jauge. 1-3 points supplémentaires. Et comment ça, j'ai perdu mon plus? J'ai perdu mon plus. Et vous le laissez passer? Eh, hey, le mec qui passe, y'a personne qui se met devant lui. N'importe quoi. Allez, go. Allez, tu l'as vu. Vas-y, t'es en position, mon grand. T'es en position. Voilà moi. Allez. On s'arrête tout seul. Non. Dommage. Dommage. Allez, on se met devant Terry. Le 3 points, tentative. Ah, il est très bon, j'ai un papillon qui me vient dessus. Ah, papillon de merde. Oui, mais excusez, j'ai un papillon de nuit qui est rentré, c'est relou. Allez, je tente de m'infiltrer. Tu m'as vu? Ok, j'y vais maintenant. Oh, j'avais fait un pas en arrière, c'était bien. Tentative. C'est chaud, hein. Oh là là, mais il est magnifique. Oh, le tir à 3 points encore une fois qui rentre pour les Lakers. L'avance s'est creusée. 42-35. Je vais le déglinguer, ce petit papillon. Allez, essaye de mettre la pression. Ça shoot à 3 points. Oh, le mouvement, quoi. Ah, c'est bien joué. Le mouvement qu'ils font pour les shoots et tout, c'est tellement réaliste. Si seulement on avait des animations aussi incroyables sur tous les jeux de sport, franchement, on serait heureux. Hein. C'est un exemple NBA 2K, je trouve, pour les jeux de ce style. Ok, bon, j'y vais. Oui, c'est bien joué. Mais non, pourquoi t'as pas pris de shoot? C'était magnifique. Bon, ça va. Ça finit, bon spacing. Ça termine bien, mais j'aurais pu prendre le shoot sans problème, là. 44-37, allez, c'est bien. Mais à chaque fois, il le laisse filer, lui. C'est dingue, maintenant je suis assez moins. Allô les gars? Comment ça, je suis assez moins? Bah, ça va pas là. Hein. Allez, go. Mais oh, quoi? C'est quoi cette passe? Attends, c'est pas à lui que je l'avais envoyé normalement. C'est quoi ce délire? On ne se comprend pas, les mecs. Je pense que ce troisième carton n'est pas aussi bon que les deux premiers, hélas. Ah, tu m'as vu, on y va. La petite passe, on assure. Oui, vas-y, shoot-le maintenant. Ça rentre tout seul. Très bien. Bon mouvement, bon tir. Ce soir, ça fait 26 points, 8 dans ce carton. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Champagny qui fait une faute. Ah bah lui aussi, il marque beaucoup de points quand même. Hein. C'est inquiétant. Hein. Mon joueur, ouais, c'est bien mon joueur. Ok, nous on est à 26 en tout. C'est la pause.
Il faut attendre. C'est reparti. Owens. Mon ennemi. Ok, alors, je sais pas trop comment piquer le ballon sans faire de faute. Oh là là, mais il est fort, c'est vrai qu'il est bon. Hein. 58-56, c'est reparti, on fait le match au complet. Hein. Ok, ok, tu m'as vu? Tu m'as vu? D'accord, tu me vois pas, c'est pas grave. Attends, on tente quelque chose, je m'incruste dans la raquette. Ok, bien joué, je m'incruste. Oh, c'est bien joué! Dommage, ça ne donne rien. Ça, c'est con. Et ça repart pour les Bulls. Attention, il y a 2 points d'écart seulement. Ça peut égaliser à l'instant. Et ça rentre pas heureusement. Allez, le compte maintenant pour les Lakers. Let's go. On y va, on ne s'arrête pas. La passe tout de suite. C'est pas lui que je voulais envoyer, c'était pas Choucroute. Ok, tu m'as vu. Très bien. Choucroute, à toi, mon grand. Tente 3 points. Non, tu veux pas? Ok, tant pis. Moi, je le tente, 3 points. Maintenant. Aïe, 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 attention! En plus, ils sont à 2 points, ça peut repartir avec Owens! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ok, ça rentre pas. Super. Tout va bien, on peut respirer un petit peu. Allez, le grand, à toi, mon grand. Vas-y, tout seul! La passe D! Oui! Eh ben voilà, tu vois quand tu veux, les fans qui augmentent. Ça fait du bien. Allez, 4 points d'avance. Dans ce dernier carton, tentative à 3 points, ils n'ont pas de choix pour revenir, pour recoller. Pour espérer remporter cette rencontre. Allez, ça passe maintenant sur Galaxy. Qui peut y aller tout seul? Peut-être non, il a pas osé. De quoi? C'était pas lui. C'était pas lui. Pourquoi ils sont on fire, eux? Il y en a qui ont des cibles, des sabliers, je ne sais quoi, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Owens, le 3 points, ça passe pas. Heureusement, c'est moi qui récupère. Pourquoi tu me l'as refait? Calme-toi. Allez, tu m'as vu. La petite passe sur le côté. Bon, les gars. C'est maintenant ou jamais. Le 3 points, tentative. Allez. Non. On leur laisse l'occasion de revenir dans ces quelques secondes. Ils se précipitent. Attention, peut-être ils ne seront plus qu'à 2 points après ça. Owens, le 3 points. Ça rentre pas. C'est fini pour eux. Ouais, c'est fini, tu me diras, il reste encore du temps. Hein. Mais ils sont on fire, les mecs. Ils sont on fire. Le 2 points qui rentre. Superbe. Allez, une passe D. Bon mouvement du ballon, coéquipier. Content de ma perf. Owens, putain, comme il s'introduit dans la défense, ça c'est incroyable. Par contre, il faut mieux viser. Hein. Il n'est pas parfait à ce niveau-là. Ok, je l'ai vu là-bas. Choucroute qui s'introduit. Le layup, ça rentre. Et il y a une faute en plus de Pippen Jr. Et encore, on gagne beaucoup, beaucoup de fans. On est quasiment au C+. Je pense qu'on va le retrouver potentiellement avant la fin du match. Ah mais oui, le truc en feu, c'est ce qu'on a sélectionné. Il me semble de la création de perso, mais moi, je vois rien sur mes joueurs. Ok, ça rentre. Ça nous met à 65 à 56, c'est bon, là. On va se calmer, je pense qu'on a assez d'avance. Pour moins se faire de soucis. Et donc, un petit temps mort, j'ai l'impression. Hein. Petit temps mort. Histoire de se remettre un peu de nos émotions. Voilà, ça parle de stratégie, tout ça, tout ça. On est à 26 points. Un petit rebond. Attends, mais j'étais déjà à 26 points tout à l'heure. Bizarre ça. Ou alors que dans ce carton. J'en sais rien. Allez. Les Bulls qui réengagent. Je tourne un peu autour pour les empêcher de prendre le ballon. J'étais sûr que c'était lui en plus. Owens. Le pas de côté. Et ça rentre pas. Allez, on repart maintenant sur Galax. Il faut encore arriver dans la bonne partie de terrain, mon gars. Allez. Le 3 points, tentative encore une fois. Oh là là, dommage. C'était pas loin. Hein. Mais bon, tant que c'est pas dedans, ça ne sert à rien. Je sais tellement pas jouer. Attends, la touche rond, c'est quoi? La touche rond, il se protège les burnes apparemment. Pourquoi pas? Ouais. On y va. Bah non, je suis au-delà. Tu m'as vu, je reste un peu en arrière. Ok, fais tourner le ballon. Tout va bien, mon gars. Et maintenant, tentative. Chute dessus. Oui. Bon mouvement, bon tir. Ah, on est quasiment au C+, hein. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. À un moment, je l'avais, hein. J'ose plus faire de faute, là, tu vois. Et je me bouscule. Enfin, il me bouscule, du moins. Allez, attention, Williams. Ça met la pression. Galax lui-même qui va bloquer. Mais non, c'est ma faute, je suis sauté trop tôt. C'est trop rapide pour moi là. Ah oui, c'est récupéré par LA. On y va maintenant.
On accélère, c'est bientôt la fin. Appel ignoré totalement. Je n'apprécie pas, mon gars. Je n'apprécie pas. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Allez, tu m'as vu. Ok, on y va. Ah, j'étais bloqué. Ok, le 3 points, il est tout seul. Le 3 points, c'est bien joué, oui. Allez, il était totalement freedom, totalement libre. Et maintenant j'ai un C. Ah mais oui, mais je suis con, avant le... Oula. Après le C moins, c'est le C, hein. Le C plus, c'est plus compliqué. Tu m'as vu. J'ai l'impression qu'il faut pas faire 50 000 appels de... Appel pour les passes, parce qu'ils nous les filent pas, et peut-être que voilà, ils sont pas contents qu'on leur mette autant la pression. La petite feinte, c'est bien joué. On va essayer de s'introduire, peut-être. Allez, tu m'as vu. Le shoot maintenant, il est pris, et ça rentre. Magnifique. Eh bien, bon tir, j'adore ce jeu. En rookie, même si on n'y connaît rien, ça se joue super. Il n'y a pas à dire. Putain, j'ai cru qu'il allait tomber, dis donc. C'est loin un match, hein. Je sais pas si ça a repris la norme de des 3-4 minutes que j'avais choisi par carton. Mais je trouve ça long. Allez, c'est parti. Un match de foot, il me semble, sur FIFA, c'est moins long. Bon, après, ça dépend toujours le temps de la mi-temps et tout, hein. Tu m'as vu? Il fallait shooter! C'est gagné, quoi qu'il arrive! Match largement remporté par les Lakers, 72 à 76, et je remporte 889 fans. Eh ouais, mon gars! Incroyable, ce joueur a été monumental ce soir. Owens, qui a la mort. Et moi, je me la pète. Ouais, les gars, c'est nous les meilleurs, oui. Oh, that's some fire content back there, bro. Hold on. Congrats. You won a preseason game. That's it? I also embarrassed you, didn't I? Don't forget that. You think I'm about to waste my energy on some summer league game? You're clueless, bro. Oh, you trying to save face, ain't you? Keep that same energy, though. We got our first game circled on my calendar, my guy. I'm looking forward to it. Ooh. I'm looking forward to it, champ. Embarrass you on the largest stage. Ooh. Ice up, my man. See you soon. Never, man. Oh là là, c'était incroyable. Récap mon joueur, je me suis éclaté. Hein. Alors pardon si j'ai un peu gueulé. Hein. Note de coéquipier, c'est 30 points, un rebond. Incroyable. Bon bah écoutez, premier match réussi, je suis heureux. Donc plus 1400 finitions, 513 tirs, plus 500 organisations. Défense rebond, très bien. Plus 1 point de leadership, marqué 5 paniers, on l'a réussi assez rapidement. Ah mais c'était ça le vélo? Je crois bien. VC gagné, note de coéquipier, les stats, salaire, 500, voyez donc, c'est pas beaucoup payé. Hein. Ma marque, moment fort, bonus fan. Ouais. Plus 1714. C'était super fun. The City. Ok, on est de retour. Alors, récompense de la saison, événement de la saison. Déplacement en ville. Les stations de métro permettent de voyager rapidement dans la ville. Appuyez sur R1 pour placer un repère sur la station la plus proche. Si vous préférez éviter les transports en commun, vous pouvez équiper un skateboard ou un autre moyen de transport avec L1 pour atteindre votre destination plus rapidement. Vous voulez planifier vos prochains déplacements? Affichez la carte en appuyant sur le pad. Super. Eh franchement, c'est génial les amis. Hein. Donc là on a les quêtes. Ok, admettons. Quête principale et quête secondaire. Mais carrément! Mais c'est fou! Discutez avec votre équipe de la façon de bien commencer la saison. Ça y est, c'est le début de votre saison rookie, imposez-vous comme un titulaire. Pour répondre aux doutes de la presse et des supporters, récompense, ok, 1000 pièges, changer de stratégie, 4 points d'insigne. Bah attends, t'as l'impression que c'est un jeu d'aventure le truc. Eh, secondaire, t'as l'impression que t'es sur Far Cry. Principal, secondaire, saison. Mais c'est trop bien. Ah j'adore. C'est con que j'y connais rien. Progression, ok, mon joueur, apparence, animation, d'accord, on peut personnaliser ça, super. La ville, elle commence quotidien, devenez une légende. Super. Eh bien, écoutez, je suis assez fana. Hoo-dee-hoo! There he is! Come on now! The Summer League champ, baby! All right, now, be honest. How does it feel? Man, I don't know, man. It's just Summer League. What, like, just summer? I feel like I'm just getting started right now. Oh, you definitely just heating up, though. Come on now. I am seeing lots of positive engagement on social. Oh, let's hear a little bit. MP won't admit it, but he loves that stuff. Whoa. Admit it?
Like, I mean, yes, I'm human, but, you know, I like compliments too. Especially when they're deserved. That's it. Imagine not wanting MP over Shep. Could never be me, fam. I'm going to name my firstborn son after MP. That's cap. Wow. Oh, that's cap. Hey, Ashley, you want to just read it with feeling next time? Just a suggestion. Yo, thank you for the recap and all, but I was, you know, hoping that maybe we could, you know, look forward and talk about something that's possibly coming up, you know? Okay, yep. Eyes on the prize, I love it. All right, Ashley, go. You have a meeting with Freddie Novak, okay. New head of brand and marketing. He wants to talk to you about some of the PR initiatives he's spearheading. Lots of data-driven stuff, how to leverage research into results. I think you'll like it. Yeah, I actually read an article about him in the Pindown. He's a very, very interesting hire. That's right. Very. Mm-hmm. Oh, and just to put this on your radar, we got you a spot on Top Takes Daily. Mm-hmm. Let's get yeah. it. Yeah, we don't have a date set. Just yet, but it should be sometime in the next 2 weeks, and it's going to be a great opportunity to take control of the post-draft narrative. Yeah. That makes sense. Mm-hmm. I mean, is there anything else that we got? That's it for now. Mainly, we just want you to focus on ball, man. Psst, man, y'all taking care of everything. I appreciate it. Like, for real. You already know, this ain't our first rodeo, kid. Oh, well, it is Mila's first rodeo. Okay, technically, it's your second, so... Oh, not I managed different. The old MP since, like, eighth grade. Oh, that's like wait, 20 rodeos old MP? Wait, hold on. We're not talking about MP here. Wait. At bro, all. Bro, come on, man. I mean, this whole agency is devoted to you right now. You can't be jealous, are you? Fam, you serious right now? I'm just joking. Relax. Smile, man. That's funny. Look, go to your meeting with Freddie and then holla at me when you're done. All right, fam. Ricky gone. Text Ricky, I'm canceling lunch. You feel good about all this? I feel great. Okay, good. I feel good. It's a long-term game, you know what I mean? Just taking it step by step. That's it, that's all we could do right now. Pace ourselves. Let's do it. Okay. Getting Top Takes on the phone. All right. Sincèrement, les amis, je suis épaté par le jeu. Bah, c'est génial, quoi, pour les fans de basket d'avoir un mode de jeu carrière comme ça, avec de la mise en scène et tout, enfin... Franchement, Ah ouais, très bonne surprise, hein. Il est carré, le gars. On essayera peut-être de tester le mode Jordan demain, ça pourrait être plutôt sympa, voir un petit peu les défis que ça propose, de revivre les grands moments de sa carrière. Ça pourrait être... ouais, plutôt cool à faire, je pense. Vous me direz si ça vous dit en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo découverte sur NBA 2K23, on était sur PS5, je le rappelle. Le jeu sort officiellement demain, le 9 septembre, et franchement, ça a l'air super. Merci encore, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines découvertes et aventures sur la chaîne. A très très vite, ciao ciao.